bon mec, là c'est encore pire qu'avant. Rien que 3 heures de plus, ça fait toute la différence. Regarde déjà tous les zombies. Oh là 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 là. Alors là par contre faut vraiment pas tomber. Bon. Tu sais plonger? Je sais plonger mais là c'est dangereux mon gars. T'as pas vu comment c'est pas profond? Ah ouais merde. Je propose qu'on tente ton truc là des échelles, bien que c'est dangereux. C'est toujours ouais. moins dangereux. Parce que là regarde, y en a partout. La forteresse elle est encerclée. J'essaie de poser peu à peu. C'est bon là. Faut juste savoir un peu sauter. Au pire, il y a des torches. Prends une. Le reste ne me sert pas, il me faut juste des allume-feu. Oh putain, ils sont là. Sérieux? Ils sont tous ici. Attends, je te vois pas, t'es où? Juste en bas. T'as sauté? Mais bien sûr que j'ai sauté. Je te vois pas. Non mais j'ai pas sauté, mais j'ai pris les échelles. Ah! T'es passé dans le trou? Non, t'es malade. T'es passé où? Je t'ai pas vu. Bah là, en fait, je suis juste en bas, mais... Ah d'accord, je te vois. Tu me vois? Oh là là, comment je fais pour te rejoindre? Bah, j'ai posé des échelles. Ah oui, en effet. Ah non, je les vois pas. Là. Ouh. Tu les as loupés. C'est dangereux. Regarde, ils sont juste là. Oh merde. Oh putain, putain. C'est quoi cette... Évite, évite, évite. Ah, ils sont trop nombreux. Ah, il faut pas paniquer. Ils peuvent pas nous rejoindre. Faut pas paniquer, mec. Faut pas paniquer. Oupi. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Prête-moi ta pioche. Tiens. Merci. Pousse-toi. Ah, ok. Ne recule pas, j'essaie de casser la pierre, mais... Ok, ok. Ça prend du temps. Ça marche. Bon, pendant ce temps, je nous couvre. Je vous assure qu'ils arrivent pas à monter. Ça t'apprendra au moins 50 secondes à casser ce truc. C'est oh vachement résistant. Attends, j'essaye de t'aider. Allez, on va réussir, mec. On va réussir à le casser. Sors vite ton couteau, par contre. Après, il y a des désinfectés juste à côté. Ah. Oh, mon Dieu. Allez, on y va. On y est presque, mec. On y est presque, on y est presque. Allez, ça va pas se péter. Putain. J'ai un peu de mal, moi. Oh, putain. Oh. Mec, il y en a à l'intérieur. Mais je sais, c'est pour ça que je t'ai dit vite sur ton couteau. Oh, mon gars. Ah. Oh, mon Dieu. Putain, il nous a rien monté. Voilà, moi j'ai tout lâché, j'ai eu peur. Putain, comment ils ont fait? Comment il a fait ce mec? Je comprends pas. Éclaire le bloc. Attends, je vais éclairer. Je sécurise juste le passage, mon gars. C'est trop dangereux. Tu veux que j'éclaire le bloc? Comme ça. Oh putain. C'est bon. Alors. Allez, casse-nous tout ça. Je pense que ça peut prendre des heures comme ça peut prendre quelques minutes. Ouais. Elle est bien affaiblie quand même. Bonjour la pioche, hein, une fois qu'on aura pété ce bloc. Ouais. Et le soleil se lève. Commence un peu à se fissurer, mais ouais, c'est vraiment bien méchant. C'est vraiment très très long. En tout cas, j'espère que ça en vaut le coup. T'imagines, on pète ça, y a rien à l'intérieur d'intéressant. Ah, je peux durer que là, ça m'énerverait. Ah, juste passe pas devant. Le soleil se lève. J'éteins la lampe torche pour éviter d'utiliser la batterie.
Merde. Tire pas. Pourquoi j'ai tiré? J'ai pas l'impression que ça avance, hein. Non. Mais lâche pas le coup. On va y arriver. Mais s'il y a rien, comment on fait? S'il y a rien... Continue notre chemin, au pire, c'est pas grave. Ouais, on avait pas eu de le faire. Regarde au fond, après, il y a d'autres bases. Oui. Oh là là. Allez, on passe pas devant. On y est presque. Ça prend des heures, mon gars. Ça fait déjà 3 minutes, là. Oh là là, mon gars. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? C'est horrible. Oh, mais ils sont sur la passerelle. Tu me dis quand il est pété, hein? Ouais. Tu penses que c'est bientôt? J'ai pas l'impression. Au pire, j'essaye un truc. Allez, tombé, putain. Oh là là. C'est pas bon du tout, ça. C'est pas bon du tout. Oh mon gars. Oh mon dieu, j'ai vu ça. Il s'est pété? Non. Ouais, bon. Ah putain. T'es où? Je suis dedans. Je t'ai entendu tomber. Comment ça, t'es dedans? Comment t'as fait? Juste là. Bah, je suis passé par en haut. Attends, je te rejoins. Non, y'a rien. T'es sérieux? Tu veux dire qu'on a... On a fait tout ça pour rien? Ouais. Aïe. Oui, il faut que je mange. Je sais vraiment pas comment je pourrais... Ah, fais chier, je suis bloqué. Oh là là. Mec. Pire, j'ai ta pioche que tu m'as donnée. Il y a des petits piliers en bois. Rejoins-moi, mec. Ce qu'on va dès faire... Que je... Oh putain. Mec. Rejoins-moi le plus vite possible. Vas-y, attends. J'ai réussi. Honte. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? T'es où? Putain. Juste en haut. Je rejoins. Viens, descends avec moi. Descends. Vas-y, viens. Ce que je propose. Tu prends à manger, attends. Étant donné que là, maintenant, on est un peu plus bas. Ouais. On saute dans l'eau. On sort de l'eau. On fonce vers là-bas où il y a deux bases. Une en cobble et une en bois. Ouais. Et si c'est pas le cas, on fonce vers le côté gauche. Putain, j'ai soif, fais chier. Allez, mec. T'es prêt? Allez. Vas-y, attends. T'es prêt? Allez. Let's 3. Go. Oh. Ah non, moi j'attends pas. Hein. Allez, go, fonce. Putain. Allez, mec, on y va. Si ça marche pas, on fonce à gauche. On fonce à notre gauche, ok? Ouais. Une chèvre. J'ai croisé un mouton tout à l'heure. J'ai tué. Alors il y a quoi dans ces bases? Je sais pas, vas-y. Je prends les échelles. Non, y'a rien. Y'a un feu de camp. Feu de camp? Ouais. Ah si, y'a quelque chose. Y'a quoi? Y'a une montre. Une montre? Ouais, des échelles aussi. Et une radio. Bah, prends les radios, ça peut toujours être utile. Tout comme les coffres. Les coffres, on pourra aller deux fois plus vite si on en a plusieurs. Ouais. Allez, on prend tout. Putain, bon. Ah, j'ai récupéré tout ce truc dégueulasse, là. C'est un matériel facile à avoir, hein, on se le ment pas, mais c'est toujours durable au cas où. Allez, viens. Par contre, ça nous intéresse pas trop, hein, le reste. Ouais. Allez, viens. Vas-y, là. On fonce. Je pose une espèce... Ah, putain, j'ai du mal à poser mon échelle. On fonce vers le nord, mec. Ouais. Allez, go, on y va. Juste, t'aurais pas... J'aurais pas non, compris. Pire, regarde. Je crois qu'il y a des ours là-bas. Des ours? Oui, c'est.
Ça va être dangereux, mais ce sont que des enfants. Oh non, pas lui. Lui, c'est une femelle. Putain, vas-y, prends la peau. Ah, je peux pas. J'ai trop de choses sur moi. Il faut que j'ouvre le sac. Moi, qu'est-ce que j'ai dans mon sac? Je crois que j'ai un peu de nourriture, oui. J'ai beaucoup de nourriture, même. Tiens, j'ai une deuxième montre aussi en passant. Voilà. Bon, il est quelle heure là? Le soleil est juste en haut. Il est midi. Allez, go. On a encore du temps devant nous. On y va. On fonce vers là-bas. Je sais pas pourquoi j'ai une bonne intuition là-bas. Tu sais ce qui fait plaisir là? Non. C'est que là, on nous a pas suivis. Ah ouais. Non, parce que mec, t'as vu un peu combien ils étaient sur la passerelle? Ouais, quand même, c'était énorme. C'était un truc de malade. Ah, c'est bon, j'ai réussi à récupérer une graine. Ah, j'ai eu... Putain, c'est quoi ça? Des radis. Des radis? Ouais. Allez, on continue. C'est vrai que... Il y a des passerelles partout. Tu avais bien dit que... Est-ce qu'on peut se faire des salades en... En prenant des céréales. Des salades. Non, je pense pas. Oh là 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 là. Et donc, t'as beaucoup d'eau, toi, du coup? Là, j'ai 17 fioles d'eau. Ah ouais, d'accord. Fraîche. On a de la marge. Il y a quoi, non? Y'a rien, c'est un abri de fortune. Toujours regarder. Y'a une chaise. Ah, prends, c'est pour le confort ça. Le coffre. Rien. Voilà. Mec. Ouais. C'est moi ou y'a une pousse d'arbre ici? Ouais, mais. Elle est encore prête, elle est encore. Ça fait il n'y a pas longtemps qu'elle a déposé. Il doit y avoir un gars pas loin. Et je préfère même pas tomber sur lui, je sais pas toi. Ouais, moi non plus. J'ai une montre de trop, tu la veux? Non, ça ira, la mienne me suffit largement. Puis je la jette. Quoique, allez, je la prends quand même, c'est genre. Allez, go. Y'a quoi au fond? Pas l'impression qu'il y ait grand chose. Ah, j'ai faim. J'ai perdu le rythme. Une quoi? J'ai perdu le rythme. Voilà, c'est bon. Je suis de nouveau au taquet. On y va. Putain, une forêt. Il va falloir la traverser, mec. Ouais. On y va à la marche. Oui, on y va à la marche, pas de soucis. Faut juste faire attention. Oh, putain, qu'est-ce que j'avais dit? Un zombie! Putain de merde! C'est bon, on l'a eu. C'était bien trop juste. Alors là, pour le coup. Je le sens mal, moi, cette forêt. Ah, moi aussi. Putain, j'ai l'impression qu'il y a tout qui a été déraciné ici. C'est vrai que... Oula... On s'est pas retourné au cratère. On a fait un tour pour rien. Ouais. Bon bah, il faut retraverser le cratère. On passe par où? Par le milieu. Ok. On va faire un aller-retour, on va tenter de... Bon, par contre, on est en fin d'après-midi, ça me plaît pas trop. Ouais. Attends, on va plutôt monter là-haut. Non, quoique... Je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant là-haut. Impression. C'est juste une tour de guet. Ouais, voilà. Alors, puis on monte et on essaie de regarder comme ça. Ouais, non, y a rien. Y'a rien. Vas-y, essaie de monter sur les arbres. Y'a un zombie. Oh putain, crève ça. C'est bon. Oh putain. Putain, j'ai faim. J'ai faim. Je te couvre. Vas-y, monte. Ah, j'ai envie de pisser maintenant.
quand on a pété la gueule de ce zombie, j'aurais dû lui pisser dans la tête. Je sais pas, c'était un fantasme une fois que j'ai vu quand j'étais jeune. J'aurais pu le faire. Juste de quoi se venger, hein. Allez, allez. Putain. Après, je vais pas te mentir, j'arrive pas à me concentrer quand quelqu'un me regarde pisser. Ça me rappelle trop quand la maîtresse m'obligeait à pisser devant elle. Pendant les sorties? Ouais. Putain, il y a la mer ou un lac, je pense. Ah, c'est un grand, grand lac. C'est un grand lac, je pense. Parce qu'il y a la mer ici. Mec, la nuit tombe. Je propose qu'on se fasse vite un abri de fortune dans les arbres et qu'on coupe nos caméras. Ok. Putain, en plus, il y a déjà du monde. Putain. Je te vois pas, t'es où? Ah, t'es là. Juste devant. Ah, mec! Quoi? On fait le... Je propose qu'on crée notre abri de fortune sur le... la petite passerelle. Ouais, mais c'est pas très solide, ça. Hein. Ah ouais, mais on n'a pas d'autre choix, je crois. Oh putain. Tu veux pas faire ça comment, en fait? Voilà, je propose qu'on fasse ça comme ça. Ah putain, je vois rien. J'ai pas une torche que j'avais. Non, je les ai jetées. Éclaire-moi, s'il te plaît. Ah ouais, merci. Au pire, t'as pas de la ficelle ou... J'ai pas de ficelle, non. Non, j'ai pas de ficelle, désolé. T'as de la laine? De la laine. Oui, j'en ai dans mon sac. Combien? J'en ai une. Vas-y, passe. Toi, t'en as combien? J'en ai deux. Ah, impeccable. Vas-y, fais-nous un lit. Je te pose l'établi. Vas-y, attends, vas-y. Moi, j'en ai déjà un. Vas-y, attends, je le pose. Oh, ouais. Merde. Fais gaffe. C'est bon, j'ai posé un établi. Pire, tu veux pas qu'on fasse des sacs de couchage? Oui, vas-y, si tu veux. C'est plus rapide que construire un lit. Putain. Par contre, je peux en faire qu'un. Est-ce que ça se pose comme ça? Non. Comment on pose un de couchage? Ah oui, c'est vrai, faut faire une tente. Je vais dans mon guide de survie. Bon, je propose. Clair. On se couche? Putain, je sais pas comment on fait une tente. Parce que, on est sécurisé. Tu sais comment on dit tente en anglais? Non. Pourquoi t'as un manuel anglais? Ouais, c'est chiant. Ah ouais, merde. Je suis pas très doué en anglais. Pire, j'essaie de voir ce qu'on peut faire avec de la laine. Mec, moi je propose que tu fasses dodo et moi cette fois-ci je prends le premier tour de garde. Allez, on y va. Attends deux secondes. Ah, j'arrive pas à voir. Il fait trop sombre, mec. Si. C'est ça. Il nous faut. Putain. Il nous faut un couteau suisse et de la ficelle. Ouais, bah laisse tomber alors. Vas-y. Comment on fait un couteau suisse? Il nous faut du fer et de la laine. Et de la ficelle. Oh. Non, je sais pas comment ça s'appelle, du colorant rouge. Ça va, c'est facile à trouver. Ouais, je pense. Bon, allez. Fais dodo, mec. On aura besoin, okay, de force pour demain. Oh. Bonne nuit, mec. Bonne nuit.